Bravo, 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 Ivoirien, bravo. Comme je vous ai dit depuis, troisième étoile en cours de téléchargement, il n'y a plus rien à faire, les gars. Il n'y a plus rien à faire. Pendant que nous, ici au pays, nous sommes dans les théories, vous êtes en train d'avancer tout doucement. Nous, on a crié ici au pays que problème de coach, changez notre coach. Chaque jour, on nous sort les théories. Voilà que les Ivoiriens sont levés, que le coach là, tu vas sauf que partir. On a chassé le coach, non? Vous avez vu, le coach adjoint, vous voyez son boulot, non? Qui ne voit pas le classement des Ivoiriens, qui ne voit pas le... Si on dit à quelqu'un que ça, c'est l'équipe qui avait pris 4-0, c'était face à quelle équipe même là? Où c'était Guinée équatoriale, je me rappelle plus très bien. 4-0, qui pouvait imaginer? Quand je regarde encore l'équipe de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, je me pose la question à savoir si c'est la même équipe qu'on voyait hier. Donc, ils avaient juste un problème de coaching. Oui, ce n'était que le coach qui faisait problème. Et voilà comme le coach est parti. Ce sont les mêmes. Voilà. Hey, Seigneur Jésus, quand je regarde comme ça, est-ce que les Lions, est-ce que les Camerounais regardent le même match que nous on regarde là? Voilà la Côte d'Ivoire qui vient d'être qualifiée pour la demi-finale, les gars, face au Mali. Qui aurait cru? Qui aurait cru? Le dernier match, vous avez dit quoi? Oh, le trucage, oh, l'arbitre est monté. Que le Sénégal vient aujourd'hui voir encore le match d'aujourd'hui pour confirmer que la Côte d'Ivoire mérite sa victoire. Que le Sénégal revient encore. Ouais, le Sénégalais qui criait partout que oh, l'arbitre est monté, l'arbitre est descendu. Venez encore, vous allez encore dire que l'arbitre a fait qu'aujourd'hui. J'ai même vu au stade là, les gars voulaient même taper sur l'arbitre. Vous allez toujours, on ne pleure pas. C'est le football, le stade est plat, le ballon est rond. C'est le mérite. Tu joues bien, tu gagnes. Et c'est de ça que, c'est ça que les Ivoiriens sont en train de nous montrer. Peuple ivoirien, je vous donne les 10 doigts. Vous tendez les mains. Vous avez fermé ma bouche. Chapeau, respect. C'est ça qu'on veut. C'est ça que nous voulons voir. Quand c'est bien, quand c'est beau, il faut apprécier. Quand c'est beau, félicitations au nouveau coach. Je ne sais même pas comment on l'appelle. Félicitations, mon frère. Voilà un Ivoirien. Je crois bien que c'est un Ivoirien, non? Si je ne me trompe pas. Même si ce n'est pas un Ivoirien, c'est un noir. Voilà le travail des noirs. Le blanc est parti. On est toujours là en train de croire que c'est le blanc qui travaille trop. C'est le blanc qui fait quoi? Voilà le noir qui fait un bon classement. Avec combien de joueurs? 10 contre 11. Un carton rouge. Les gars maîtrisent le jeu jusqu'à la fin. Ils gagnent. C'est une victoire applaudie, acclamée. Bravo la Côte d'Ivoire. Bravo. Bravo. Je dis que si vous ne prenez pas la CANSI, si vous ne prenez pas la CANSI, les gars, il ne faudrait pas que vous travaillez comme ça jusqu'à la fin. Vous nous décevez. Le continent est derrière vous, les gars. Le continent est derrière vous, Côte d'Ivoire. Oh, les gars, franchement, je suis débordé de joie. Je suis tellement content. Voilà le football qu'on veut voir. Qu'on veut voir au 237. Les gars étaient toujours en train de pleurer ici. Oh, oh. L'équipe ivoirienne, l'équipe du continent, les lions et les éléphants, c'est une équipe jeune. C'est un problème de coaching. Bon, quand ça a commencé à chauffer trop, au lieu de remplacer le coach, qu'est-ce que vous avez venu nous présenter? Un truc qu'on n'avait même jamais vu. Il y avait une note là qui circulait sur la toile que le Rigobert Sombana est le sélectionneur manager, il n'est pas coach. Et après, en deuxième, là, on nous montrait un autre nom là qui est le coach et sélectionneur adjoint. Ah, vraiment de Dieu. C'est-à-dire que c'est comme si parfois la honte là même. On a même plus honte. Au lieu de chercher à résoudre le problème, comme voilà la Côte d'Ivoire.
L'équipe ivoirienne maintenant fait peur, mon ami. Quand n'importe quelle équipe maintenant sera face à la Côte d'Ivoire, oui, ils vont se préparer, ils vont bien se préparer, ils vont savoir que nous, on part comme ça avec garçon. Les gars, bravo, hein, bravo. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Franchement, vous avez mérité votre victoire. Vous êtes en train de mériter votre victoire. Tout ce que les gens racontent là, c'est pour eux. Bravo la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas ce que je peux vous dire au-dessus de bravo. Félicitations. Continuez davantage. Troisième étoile. Oui, troisième étoile. Oui, c'est cette année-là. Ce n'est pas l'année prochaine. Ce n'est pas au Maroc. C'est cette année en Côte d'Ivoire. Fermez un peu nos bouches. Non, vous avez à fermer. Il faut coudre maintenant. Il faut passer le fil. Donc, on ne parle plus. On vous respecte. Chapeau, hein. Ciao. Vision Pro. Vision Pro, tu restes meilleur. En ce moment, le laboratoire photo Vision Pro lance une promotion de 3 semaines du 22 janvier au 10 février 2024. À l'occasion de la promotion, le laboratoire photo Vision Pro vous permet de faire des tirages photos sur vos téléphones, smartphones et tablettes à 200 francs CFA seulement. C'est le prix promotionnel pour chaque tirage. Vision Pro, tu restes meilleur. Le laboratoire photo Vision Pro offre une promotion spéciale à tous les photographes. Pour 100 photos tirées, vous bénéficiez de 10 photos tirées gratuitement ou un tirage gratuit d'une photo 30 sur 45. Alors, ne perdez plus de temps. Profitez de la promotion dès maintenant. Le laboratoire photo Vision Pro est situé dans la ville de Yaoundé, à 200 mètres du carrefour Ikono, en descendant vers Carrousel, à votre droite. Numéro de téléphone 672 30 37 85. Le laboratoire Photo Vision Pro. Venez par curiosité et vous serez satisfait.